Les habitants l'attendaient depuis longtemps. Le rond-point de la route de Carcassonne à l'entrée de Conques-sur-Orbiel sera construit dans quelques mois. Le président du département de l'Aude, André Viola, a rencontré les élus de la commune jeudi dernier pour planifier les travaux. On est sur un axe important avec du fort trafic venant de la vallée de l'Orbiel et allant sur Carcassonne. Et puis en plus, on traverse avec la zone commerciale, la pharmacie, donc beaucoup de trafic à cet endroit-là. Et oui, l'entrée, évidemment, sur ce projet, c'est l'entrée sécuritaire. Lorsqu'il y a ce type d'installation, on constate beaucoup moins d'accidents. Le maire Jean-François Juste attendait lui aussi l'aboutissement de ce projet. Il lui fallait s'assurer que l'emplacement choisi n'était pas inondable en raison des intempéries d'octobre 2018. C'est un rond-point qu'on entend, oui, depuis longtemps. Bon, je suis heureux aujourd'hui que Monsieur le Président du Conseil départemental nous annonce que ça y est, c'est imminent. Je sais que toutes les autorisations importantes sont données. Donc maintenant, on en est au point des lancements, je pense, des appels d'offres. Et puis les entreprises pourront commencer dès que, bien sûr, tout sera dépouillé et que l'entreprise sera retenue. Je pense qu'en 3 mois, ça devrait pouvoir se réaliser. Les travaux débuteront au premier semestre 2020 et leur coût s'estime à 450 000 euros.